Allô? Donc, on est en direct de quartier Kinanara 3 où Monsieur Fred a fait tomber son téléphone par terre. Yo, nous sommes allés ici, dans ICI News, pour vous montrer ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cette maison. Alors, caméraman, viens avec moi. On va vous montrer ce qui s'est réellement passé. Il est là. Il est là. C'est juste là, dans cette maison. On attend pour voir ce qui s'est passé dedans. Alors, oui, c'est juste là, dans cette maison. On attend les nouvelles pour savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, notre correspondant est en train de nous dire ce qui se passe dans l'intérieur de cette maison. Apparemment, ils attendent toujours, mais on ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. Le doute plane toujours, mais on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Alors on attend pour voir si réellement son téléphone est toujours en vie ou s'il est mort. Oh! Le téléphone va bien. Et tout le monde aussi va bien. Il est sain et sauf. Et on tient à rappeler aussi que le téléphone avait coûté 350 000 euros. Après cette merveilleuse victoire, on va aller leur parler pour voir ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Pour savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Ah, il est là. Il est là, monsieur Fred. Venez. Ça va, on espère. Juste, on passait et puis on Donc entendait. Vous m'espionnez, frère? Non, c'est la vie. C'est la vie. Vous m'espionnez, frère? Non, mais moi, je veux pas de paparazzi, wesh. Non, ça va. On veut juste savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison, man. Bon, ce qui s'est passé... Oui. Il y a mon frère. Tu veux dire mon frère? Ouais, mon frère. Non, c'est mon frère, en fait. En fait, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère. Sinon, ici, nous sommes en direct sur ICI News. On est en direct avec Monsieur Fred qui va nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Apparemment, il était avec son petit frère. Et là, il m'a lancé le manette. Non, attends. En fait, il voulait dire son petit frère lui a lancé la manette. D'accord. La téléphone a tombé. Tu veux dire le téléphone? Le téléphone. Ok, et puis? Et puis après... C'était tellement trop dur. Trop dur. C'était vraiment trop dur. Tu veux dire, c'était tellement trop dur. Ouais, c'était tellement trop dur. Non, tellement trop dur. Et après, vraiment, c'est... À la descente, c'était pas aussi facile que ça. On était là, moi et mon frère, paniqué, dans le panique, tout ça. Et après, on a trouvé que la téléphone était en bonne santé. C'est sur cette interview, plein de grammaire, plein de vocabulaire blessé, qu'on termine notre émission. Mais on tient à rappeler que... D'après les news qu'on vient de recevoir, 4 bibliothèques viennent de brûler en France à cause de... Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment ils viennent de brûler. Donc, c'est sur ce beau mot qu'on vous dit au revoir et à demain. Ciao. À demain. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que à vous abonner sur la page. Merde, ça filme encore. Vous étiez avec Oleg Promota. Omofumbo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Famille Louche. Sur ce les gars, ciao.